face à mes tourments et mes peurs, moi j'ai souvent été seul avec mon personnage atypique à la fois attachant et détaché, véritable bête de scène, Gizmo se dévoile à travers cet entretien avec Jayan et Nicolas. J'avertis les wack, ma technique est fat, phrasé illégal. De rap contender ça jamais 203, il nous évoque son parcours mais aussi ses faiblesses. Salope vite fait les cours, c'est vache, t'es mon disque. Le public t'a découvert à travers Rap Contender. Est-ce que c'est ton passage là-bas qui t'a donné la force pour te lancer dans une carrière solo? C'est ce qui m'a donné l'impulsion. La force, elle était déjà là. Parce que si cette force-là, pour faire une carrière solo, je ne l'avais pas déjà en moi, j'aurais même pas fait Rap Contender. Pour ce que ça m'a coûté émotionnellement, c'était plus dur à affronter que la carrière que je suis en train de mener en ce moment. C'était comme aller devant toute la classe tout nu. Tu pouvais perdre, te faire ridiculiser, oublier le texte, et ça devant déjà 70-80 personnes qui sont dans la salle, et plus 2 millions de personnes qui vont visionner la vidéo. Après, c'est pas parce qu'un mec il a perdu à Rap Contender qu'il n'est pas à même de mener à bien une carrière solo. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'était par rapport à moi, mon état d'esprit. Au moment où je l'ai fait, je me disais, je suis en train de jouer, peut-être justement, cette envie de continuer après ça, tu vois. Je pense pas que j'ai été le plus technique, mais je pense que j'avais capté un petit truc dans ce jeu, qu'il faut faire rire. Genre, tu sors un dossier qui s'avère vrai, que la moitié de la salle connaît, mais qui s'attendait vraiment pas à ce que tu mettes ça au grand jour comme ça. Ils allaient juger celui qui avait le plus d'humour. C'est un concours de vannes à la base, et il n'y a pas d'instru. Donc avec une instru, j'aurais peut-être tenu un autre discours. Il faut venir avec beaucoup d'humour, je pense, tu vois. Même le fait de ne pas rester fermé aux vannes de mon adversaire, ça me donne une force, en quelque sorte. D'être bon joueur, de rigoler à deux, trois trucs pas mal qu'il ait pu sortir, mais de revenir après plus marrant. Tu vois, c'est comme quand on est dans la cour de récré et qu'on se charrie entre potes ou qu'on est en bas de la cité et qu'on se charrie. Au final, c'est qui perd? C'est celui qui s'énerve et qui rentre chez lui ou qui cherche la merde. Celui qui a gagné, c'est celui qui s'est marré jusqu'à la fin et qui a fait marrer tout le monde jusqu'à la fin. Il est là le principe. Tu faisais des recherches sur les mecs que t'as affrontés? Quand j'ai quelqu'un en face de moi, j'ai tendance à établir un peu son profil. T'es un profiler? Non, profiler, je suis pas un profiler, mais j'essaye de profiler le mec que j'ai en face de moi. Le truc qui était marrant, c'était de le voir, de regarder un ou deux clips, connaître son attitude, un petit peu son discours, son style vestimentaire. Et à partir de ces aimants-là, me créer mon adversaire, ne pas le laisser être lui, celui qu'il est. Parce que là, elle est là la difficulté aussi, de convaincre le public que ce que tu dis est vrai. C'est marrant, mais c'est vrai. Il est vraiment comme ça, le mec. Il faut que pendant 15 minutes, voilà, chaque fois que t'en sors une bonne, ils se disent « Ah, l'enfoiré, c'est vraiment vrai », tu vois. Alors que c'est totalement faux, que le mec, tu le connais pas, mais que par rapport à son profil, c'est tellement vraisemblable que les gens te suivent. Il faut que je te parle de ta meuf. Tous ces textos me fatiguent. Elle me dit qu'elle en a marre de tes grosses babines et des pecnotatimes. Allez, t'as quelque chose à dire? À part chez moi, c'est chaud, ça tire. Menteur, menteur, tu côtoies les ghettos de Paris que quand tu pécho de la weed. Mec, t'empêches l'alcool à des kilomètres. Je t'ai vu devant boire 5 Ballantines. Normal, ça fait... Sanctail, Valentine, c'est normal. Quand les decks prennent mes gars en flag, on dort mal et je dors ça quand je rime. J'adore ça quand tu cries. Tous ces gangsters sont futiles et c'est normal dans ce bise. Alors, t'as déclaré vouloir sortir un album tous les 6 mois pendant 4 ans. Pour l'instant, ça va, tu t'y tiras. Pourquoi vouloir être comme ça, aussi productif? Je pense qu'à l'époque où je l'ai dit, pour moi, être prolifique, c'était quelque chose de super important. T'as envie de prouver au monde entier que t'es le meilleur, en même temps tu doutes, donc tu surenchéris pour te t'auto-convaincre, tu vois ce que je veux dire? Je me rends compte que c'est pas forcément facile. T'évoques aussi beaucoup l'alcool et les drogues, t'as même fait une chanson dessus, Alcool et Bédo. C'est indispensable pour toi de bosser avec l'alcool, avec le Bédo? C'est toujours mieux avec, mais je me suis rendu compte dans certaines périodes de restriction par rapport à ces choses-là, tu vois, que j'arrive à développer une autre créativité qui est différente, mais qui a aussi sa couleur, son goût, son empreinte. Quand je dis alcool et bédo, ça s'arrête pas là, tu vois. L'alcoolisme, c'est quoi? C'est tout un train de vie. C'est des habitudes, des pulsions. Des fois, c'est des crises de manque. Prendre le chemin de l'épicerie, revenir, y retourner, revenir, se dire c'est la dernière, y retourner quand même. Et moi, c'est plus tous ces trucs qui se passent autour de l'alcool et du shit que je raconte que... alcool, alcool, shit, 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 je peux écrire un couplet sans boire. Mais je préfère si j'ai bu.
je fais pas le mytho, parfois je picole. Pour oublier, c'était trahi trop canapinol. Je vois des couples se bâtir, se désirer, puis se déchirer. J'en vois qui souffrent le martyr. J'ai décidé d'éviter tout ce que j'admire, car on me le fera payer le jour de partir. Qu'il est fou ce regard triste, abîmé par la vie, chagriné par la tise, chaque jour attiré par la street. Pourquoi tu ne fais plus partie de l'entourage? Pour plein de raisons. Pour tout et rien. Je crois que ça m'est déjà arrivé de me le demander. Et parce que je crois même que depuis le début, même si on a fermé les yeux, c'était déjà un peu bancal. J'ai l'impression que t'as un peu de regret ou t'es un peu désolé de cette situation. Je suis pas désolé. Je suis juste... c'est relou qu'on ramène un certain rap au goût du jour et qu'on finisse au final par donner raison à tous les gens qui disent que les groupes, ça marche jamais. Et tout ça à cause de trucs futiles. Demain, un mec peut-être talentueux comme moi, d'un quartier, il va se lier d'amitié avec des mecs d'un autre milieu social et il va se dire, de toute façon, ça durera qu'un temps. Alors que ces trucs-là, ça peut durer toute la vie. L'entourage va sortir un album. Tu vas l'écouter quand même, voir ce qu'ils font un peu. Je vais écouter ce qui va être médiatisé, ça c'est sûr. Tu feras pas plus l'effort que ça, t'as pas envie d'aller voir ce qu'ils font. Je sais pas. Pourquoi faire? Je fais plus partie de ce public qui les kiffe. Donc du coup, j'écouterai comme tout le monde le clip qu'il y aura sur Bouscapé, l'intro qui sera mise en avant sur YouTube. Je pense qu'ils en font de même, pour moi, de toute façon. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu serais capable de faire un pas vers eux? On s'est déjà croisés, personne ne s'entretue, personne n'a d'arme à feu sur lui, on finit pas au sol ensemble. Les chemins se sont séparés et je pense qu'à partir d'un certain moment, c'est peut-être mieux pour tout le monde que ça le reste. Sorti récemment un morceau qui s'appelle « Cours plus vite que les baffes ». Nekfeu est sorti un son qui s'appelait « Usain Bolt ». Tu réponds ça. Cette guéguerre, elle va s'arrêter un moment ou... Mais moi, il n'y a pas de guéguerre. Hein. Je fais un morceau, il s'appelle « Cours plus vite que les baffes ». J'ai toujours été super taquin. « Cours plus vite que les baffes », c'est un morceau parmi tant d'autres. Pour moi, c'est un kiff que je me suis fait. En aucun cas, une guéguerre. Moi, si je pique, c'est que ça, c'est foutu. Peut-être qu'il y a 2-3 allusions, 2-3 machins, mais je peux pas clasher. Je peux pas y aller, non, je peux pas y aller. Je peux rester à la maison et regarder la télé. Je peux pas y aller, je veux pas sortir mon cartable. Je veux m'amuser et tweeter sur mon portable. Je veux pas y aller, non, je veux pas y aller. Je veux rester à la maison et regarder la télé. Je veux pas y aller, de toute façon, maman, je suis malade. Le prof est absent et je te jure qu'il y a pas de classe. T'as pas peur de perdre un peu ton public? Par exemple, le titre Je veux pas y aller, c'est un titre qui est vraiment qui est pour un public très 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 jeune. Mais après, c'est ça la musique. Peut-être qu'en faisant Je veux pas y aller et en ayant déçu 10 mecs qui étaient méga fans de moi, il y a 150-200 petits qui ont acheté mon scud. Et moi, j'en suis fier de ça. Parce que j'ai pas commencé à écouter du rap à 16 ans. Et on écoute du rap, on est dans une ère où de plus en plus jeunes, ça écoute du rap, tu vois. Et il faut qu'on prenne conscience, nous les rappeurs, que on fait du rap pour les grands quand on fait du rap pour les grands, mais que c'est bien aussi. Que les petits ils se disent, tu sais, il a de la jugeote quand même. Faut en avoir pour des couilles et de la jugeote pour rapper, je sais pas, ma haine est viscérale et après faire je veux pas y aller. Je suis consciencieux. Je sais très bien que j'ai des petits frères. Et je me travestis pas parce que ce que j'ai dit, c'est vraiment vrai. Et que là où je pensais ces trucs-là, c'est ça que je me disais dans ma tête. Tu vois, c'est des trucs, c'est la vie, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas moi. C'est... Je te raconte ce que tout le monde vit, ce que mon petit frère il a vécu, ce que toi t'as vécu, ce que nos petites sœurs elles ont vécu, ce que nos frères ils ont vécu. C'est la même chose, tu vois. Moi, j'ai une question un peu perso. Ton vrai péché mignon, c'est la tease ou c'est les meufs? C'est l'alcool. L'alcool? Plus que les femmes, en tout cas. Pourquoi? Je sais pas, en coulisses, j'avais l'impression que t'étais plus meuf que tease. Peut-être un peu des deux au final. On a ça dans le sang et dans le lit. Quoi, c'est pas dans le sang, ça fait rire.